Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle run sur The Binding of Isaac Rebirth. La dernière fois, on avait réussi une run avec Samson, et cette fois-ci, nous allons faire une run avec Lazarus. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Alors, petite présentation de Lazarus. Lazarus est un personnage assez basique au niveau des dégâts et de la vitesse, etc. Il a une range plus courte. Par contre, il a une vie supplémentaire, mais... ça, on va dire, c'est pas vraiment un énorme bonus, vous verrez pourquoi si jamais on meurt. Il commence avec une pilule également, donc on va tester la pilule. Lockdown, on peut pas être plus bas de toute façon, je pense. Alors, je pense pas. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi, oui. Oh, spider bite, nice ça. Très très intéressant comme objet. Qui ralentit les ennemis. Et il serait très encore plus intéressant avec un technology. Là, ce serait le pompon, ce serait trop bien. Avec un technology quoi. Mais bon là c'est déjà bien pour commencer, on va dire. Fouillons un peu toutes les salles. La salle du boss. Like a boss. On va retourner en arrière pour voir s'il n'y a pas une salle de sacrifice qui serait tout en haut. Même si ça m'étonnerait parce que je crois que c'est la seule salle, c'est ça. Donc on va tout de suite aller au boss. De toute façon on peut rien faire d'autre, on n'a pas de bombe, etc. Monstro ! Il commence avec des mouches. Si je le slow tout le temps, ça va être très bien. Arrête de crasher s'il te plaît. Ah ouais. Mais arrête, j'aime pas le crachat. Je suis obligé d'attaquer au corps à corps donc. Bla bla bla. Ah mais non, je me doutais. Arrête de crasher au corps à corps. Mais c'est bon, oh là là, qu'il est chiant. Ah ouais, de quoi chez bordel. Oh nice, placenta plus régénération et HP. Enfin, placenta c'est HPE plus régénération. Régénération, pardon. Passons ici. Quelque chose de bien s'il vous plaît. Ça peut aller, j'ai connu pire. Hein. Faudrait surtout des dégâts là maintenant. Un petit peu de dégâts là parce que là j'ai du slow mais faudrait de la vitesse d'attaque au moins pour pouvoir slow tout le temps. Ouais, il nous faut beaucoup de choses hein. Mais bon, malheureusement on peut pas tout avoir. Elle savent où ils vont, c'est dangereux. Faudra au moins un d'attaque supplémentaire pour que je puisse les one-shot ces petites créatures. Ces petits caca. Alors j'ai 3 clés, ça s'annonce bien. Par contre je n'ai pas de bombe, je n'ai pas de pièces. Spelunker Hat. Ce serait bien mais... si j'ai pas de bombe, tu sais que ça me sert à rien. Et là je vais recevoir une bombe. 50% sûr. Ah bah là bon, malheureusement c'est pas la bonne. Et non, pas une clé. Alors, une grande salle comme ça, ça m'a l'air d'être une salle à cœur. Oula, on se calme la petite araignée. Eh oui, moi j'esquive tout. Moi je suis un fou dingue. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, je suis en train de télécharger Far Cry 4. Donc normalement mon PC devrait le faire tourner. Mais je pense attendre avoir ma nouvelle carte graphique également pour pouvoir faire ce let's play. Qui sera en très bonne qualité depuis quand j'aurai ma carte graphique. Parce que il y aura peut-être mon processeur qui sera un petit peu en défaut mais...
Mais bon, il quand même tiendra pour ma carte graphique. Voilà, par contre là je vais pas avoir de bombe, que dalle. Un coffre qui contient une pilule, explosif diarrhea, très bien. Très très bien. Pourquoi très bien? Parce que ça me donne une bombe. D'accord. Alors j'ai le choix. Mais si vous voulez mon avis, la meilleure sera la salle secrète. Ah, des clés, encore des clés. Pourquoi je le savais? Alors ici, qu'y a-t-il? Ah voilà, on l'avait déjà vu. C'est en dessous qu'on n'avait pas encore vu. Donc tant qu'on n'aura pas de dégâts, ça va devenir un peu... ça va être encore lent. Hein. Il nous faut des dégâts, des dégâts. Oh, flûte. Pride, est-ce que tu vas me donner des dégâts? Est-ce que tu vas me donner le Book of Anarchist? Qui serait très bien. Voilà. Anarchist Cookbook, voilà quoi. Même chose. J'ai de nouveau une bombe. Vous savez quoi, on va tenter le diable ici. Je préfère ça plutôt que la salle secrète. Hein. Enfin, après je sais pas ce qu'il y avait dans la salle secrète, mais... Ah non, pas lui, pas ce boss. Il va être assez chiant si vous voulez mon avis, encore une fois. Non, vous le voulez pas, bah tant pis. Ah, je m'en doutais. Faut pas que j'arrête. Faut que j'arrête de me faire toucher aussi bêtement dans chaque vidéo. Là c'est... Mais non. Là je vous dis non. Alors là je dis encore plus non. J'ai perdu tous mes cœurs spirituels. Bon bah je vais peut-être mourir hein. Ça sera peut-être marrant. Bah alors on me dash dessus mais on peut pas. Voilà. Encore un HP up et ça donne des dégâts supplémentaires si je ne m'abuse. Nous allons descendre pour pouvoir passer à la deuxième partie. Les catacombes. Par contre je fais pas tant de dégâts que ça, on dirait que ça marche pas le dégât. Le dégât up. Ah mais il faut que j'arrête de me faire toucher franchement, là c'est... ça devient dangereux. Parce que j'ai quand même perdu deux cœurs spirituels. Hein. Tout ça pour une salle secrète. Hein. Enfin, j'ai même pas eu la salle secrète d'ailleurs, j'aurais pu avoir la salle super secrète, mais... J'ai fait n'importe quoi. On va tenter ça. Voilà. Voilà des bombes. Vous voyez quand vous voulez. Un objet qui est du même style mais qui est encore mieux, c'est les X-rays. Parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de bombes ou quoi que ce soit. Bah voilà, quand on veut on peut. Je vais même utiliser ma bombe sur celui-là pour avoir un cœur. Ah non bah non. Faut pas rêver. Ici oui. T'es pas censé m'attaquer au corps à corps toi, tu sais, voilà, t'es censé m'attaquer comme ça. Oh oh, ça va, je l'ai ralenti. Il me faut encore plus de dégâts là, il me faut un technologie 2, ce serait tellement parfait. J'avais pas vu la mouche. La mouche bien chiante. Ouais non, je l'ai one shot pas, j'ai pas reçu de dégâts, de dommage up, c'est faux. C'est totalement faux, cette description est erronée. Parce que normalement, si j'ai eu un dégât up, à 3 points de dégâts, je les one shot. À moins que je dis la grosse merde, mais... Tout est possible, hein. Bah, merci de m'ouvrir la salle. Hop là. Non, pas ça.
Je veux que tu m'ouvres la salle super secrète, s'il te plaît. Merci. Comme ça, je n'ai pas utilisé mon livre. Des cœurs, si je trouve une salle d'arcade, ça va être très intéressant. Il faut que je trouve une salle d'arcade, c'est ça le problème maintenant. Bla bla bla. Ça c'est fait. Encore ? Bon. C'est joué. Oh flûte. Je me suis pris des dégâts pour rien. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Heureusement que j'ai des cœurs. Hein. Alors une bombe que je n'aurais pas besoin pour le moment. Un shop. Qui risque d'être assez inutile. Il faut pas que je l'ouvre avec ma clé. Hein. Au pire, je peux essayer de regarder ce qu'il y a. Ça me prend qu'une seule clé, mais. Il y a vraiment rien d'intéressant. Hein. Oula, pardon. Un peu le hockey. Ok, il est donc en bas. On va remonter pour. Pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre salle encore, salle spéciale. Comme j'ai pas la map, je peux pas le dire. Ah oui, j'avais toujours pas la salle secrète. Enfin, la salle du trésor, je veux dire, pas la salle secrète. Quand il s'agit d'esquiver, parfois je peux être bon. Hein. Un peu de concentration et tout y va. Tout azimut. Voilà. Mais non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Je vais finir à 12 coeurs, mais je vais pas avoir de dégâts. Mais non, quoi, please. Pluie de vise. Alors, allons au boss, on est à Catacombs 1. Le boss, c'est Pestilence. On va utiliser le Book of Anarchiste. Ça lui fait perdre la moitié de sa vie, c'est déjà bien. Ah, j'ai pas assez de dégâts pour pouvoir le tuer, putain. Ça va être méga long, c'est moi qui vous le dis. Regardez, je tue même pas les mouches en un coup, alors que je suis censé les tuer en un coup quand j'ai un HP, un dommage up de 1. C'est du mytho, ils ont menti. Menti. J'ai failli marcher dedans. On va finalement pas de machine à don du sang. Dommage. Ça va me donner un cube of meat. Ça peut, si je le gère bien, je peux avoir quelques dégâts avec. Ou un bandage. Un bandage, d'accord. Et descendons à l'étage suivant. Cave 2, on peut pas aller là, j'ai trop de cœur. J'ai eu chaud là. Si je veux un deuxième orbital, il me faut soit un Meat Boy ou autre chose. Je sais pas si c'est possible d'avoir les Bandage Gunner et Meat Boy d'un coup en fait. Je crois que c'est pas possible. Ça aurait été bien, mais bon. Ok, la salle au book. La librairie, si je ne m'abuse. Oh! Pourquoi pas? On va prendre ça, tiens. Mais avant, on va déjà utiliser le reste. Donc j'ai un peu plus de dégâts avec The Devil pour les salles de boss, mais ok, une clé, peut-être qu'il va me donner quelque chose d'intéressant le vendu à clé, parce qu'il peut donner n'importe quel objet, je crois.
Je sais pas c'est quoi sa liste exhaustive. Enfin, je connais pas sa liste exacte des objets qu'il peut donner. Je sais qu'il peut en donner, ça j'en suis sûr et certain. Parce qu'il m'en a déjà donné un. Même si je m'en rappelle plus c'est quoi. Trop lent, pluie de vise. Ah non, pas les chauves-souris. Pas les chauves-souris. Pas les chauves-souris. Cassez-toi. Maintenant les bombes. Loupi-loupi-lou. Ah, mais bordel. Oh non, pas eux. Bon, vous savez quoi? Oh, y'en a marre. Vous m'énervez. Voilà. Donc j'ai ouvert cette salle. Du caca en or. Ah, je touchais que celui du milieu. Bordel. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non, non, non. Ah merde, j'ai utilisé ma bombe, c'est vrai. Alors, espérons avoir de la chance. Oui, on a de la chance. D'accord. Faut pas que j'oublie de revenir ici, faut pas que j'oublie de revenir ici. C'est juste à côté de la salle du boss. Ah, il faut déjà que je survive aussi, c'est ça le truc. D'accord, donc si je vois ça... Il faut que je garde un peu des clés aussi. On va faire le tour de l'étage. On va surtout prendre la salle, cette salle-là, oui. Allez, un technologie 2, s'il vous plaît. Ah non. Pas grave, c'est bien quand même. Par contre, ça n'augmente pas mes dégâts d'un seul point. C'est pas si intéressant que ça. C'est vrai que j'aurais pu aller au shop. Bordel, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Mais non, mais stop! Je déteste cet ennemi. Je déteste cet ennemi. Bon, espérons avoir la chance. Ce qui m'étonnerait vraiment, on n'a pas de chance. Tout a été détruit, sauf ce que je voulais. Très dommage. On va tout détruire ici pour espérer avoir quelque chose. D'accord. On va prendre le Necronomicon aussi. Enfin, on va déjà prendre le Necronomicon et on va essayer de vider une salle avec au moins. Celle-là parce qu'elle est bien chiante. Ah bah alors là. C'est très 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 nice. Encore plus nice. Hein. Toujours plus nice. Fish head, d'accord. Oh nice, la queue de guppy. Oh, bad trip, très mauvais ce que je viens de faire. Amnésia, encore plus mauvais. Je vais peut-être perdre ici. Ah vas-y, arrête d'exploser. Oh là 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 là. On va sûrement perdre ici. On va sûrement perdre ici. Dommage. On va voir ce qu'il y a au shop. On va voir ce qu'il y a au shop. Et on revient sur nos pas après. Ok, grid. Grid is feed, on va dire.
Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ok, bon, c'est bon, on a perdu. GG. Ouais, c'est mort. Je vais mourir juste ici. Oh, le Steam Sale, trop bien. Pas de cœur, trop bien. Bon, le seul moyen que je reste en vie, c'est que je vais là-haut, juste ici, et qu'il y ait des cœurs spirituels ici. Ok, bah on est mort. Ah. Bordel de bordel. Je vais prendre ça, hein. Comme ça, j'ai le droit à un frit au moins. Voilà, on va bien. Surtout sur ce boss. Parce que parfois, je fais exploser les ennemis, c'est ça le problème. Et je me prends donc 2 de dégâts. Enfin, un demi-cœur de. Enfin, un cœur entier de dégâts, quoi. C'est ça le véritable problème avec Chubby. C'est qu'il me fonce dessus. Si je survis. Si surtout je me fais pas. J'aurais dû la fermer. Putain. Mais qu'est-ce que je. Ouais, je m'en fous de ça. De toute façon, on a perdu, on va prendre ça. Bon, on va descendre, hein, mais bon. Je vais quand même la publier parce qu'elle est à 20 minutes, mais... Ouais, plein de coffres, mais pas de clé. Ouais, bon alors là. Mais explose. Je comprends pas comment ils explosent. Amnésia, non merci. Une bombe. Oh mais non, 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 mais non. Ok. Bon. Ah oui, j'avais oublié. Donc là j'ai perdu tout mes cœurs. Ah là 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 là, c'est bien hein. Donc il me reste plus qu'un cœur pour finir tout le jeu. Comment dire que je crois que c'est perdu. Alors surtout avec eux comme ennemis. Si je gagne, je m'ai pas fait toucher mais. Et pourquoi il y a autant de coffres comme ça? C'est pas censé, y en est pas censé avoir autant comme ça. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Je crois savoir que c'est grâce à la page que j'ai pris. Bah non, je vais pas rentrer, je suis con. Pourquoi est-ce que je rentrerai et que je mourirai? Oui, mourirai, ça se dit pas, je sais. Et je le dis quand même, je le dis si je veux, d'accord? Bah, j'ai plus de cœur, il me donne plus de cœur. Bon, enfin, c'est trop tard maintenant, ouais. C'est trop tard. On va pas pouvoir. Ok. Bon ben voilà. Je pense que ce sera la seule run que je ferai avec ce personnage. Les autres, je les ferai hors vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheusDead pour HTTP Manager. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.